Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Foundation. La dernière fois, on s'était arrêté qu'on avait construit notre fontaine automatisée, qui va nous prendre 10 ans à peu près à construire, puisqu'on n'a qu'un seul fabricant de statues. D'ailleurs, je pourrais peut-être en faire une autre. Un autre. Ouais, je pourrais. Totalement. Alors les promotions, on a dit que c'était bon. J'ai plein de sans-emploi. Le monastère est terminé ici. Donc voilà, là j'ai rajouté une porte. Donc normalement ça devrait plus gêner pour rentrer dans ce machin. Je devrais plus avoir le message en rouge là. Gnigné, j'arrive pas à sortir de là. J'ai un peu réduit mes trucs de vin là, mais bon, on s'en fout parce que le vin c'est. Le vin, voilà quoi. J'en produis bien trop. C'est très très classe mon monastère, j'aime beaucoup. Par contre, je ne produis pas du tout assez de plantes médicinales ni assez de miel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là déjà, combien j'ai 20. J'ai 20 personnes. Enfin, 20 moines. Et. 20 sur 25, ça veut dire que j'ai 25 moines. Non. Ok. J'ai 25 places dans mon monastère, je pense. Ok. Donc, si j'ai 25 places dans mon monastère. Donc là, j'ai 2 fois 4, 8. 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, ça devrait suffire pour construire un autre truc comme ça là. Un autre jardin médicinal. Je pouvais le raccorder directement, le jardin médicinal d'ailleurs, le truc. Ah oui, comme ça par exemple. C'est dégueulasse. On est d'accord, c'est pas beau, hein. J'aime mieux faire tout mon truc comme ça là. Donc le jardin médicinal. Ouais, je pouvais le mettre comme ça. Waouh, les plantes qui volent là. Ok. Donc, alors première chose à faire, le rucher ici, on va le mettre par là. On va continuer dans le même esprit. On va continuer un peu dans le même esprit. Plutôt par là, là. Clac, comme ça. Bam. J'aurais bien aimé la raccorder aussi, mon jardin médicinal, mais ça va commencer à être compliqué. Ça va commencer à être compliqué. Oh, je peux l'agrandir comme ça. Hein. Et ma cabane de récolte que j'aurais pas dû mettre ici. Oh là là, l'intempérie est arrivée. Ça, je le mets comme ça, genre. Ouais, je pourrais le mettre genre comme ça. Clac. Ouais, c'est rigolo comme ça. J'espère qu'il pourrait rentrer dedans, c'est tout. Hop, commencer la construction. J'ai déjà les moines qui seront disponibles pour ça. Donc là, ça veut dire que là, on va redescendre beaucoup, 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 beaucoup. Les baies. Le pain, on stagne, hein, autour de 1200, c'est bien, c'est très bien. Le fromage, j'ai l'impression que ça remonte un peu. Le lait, on remonte, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oh là, le tissu, par contre, on est très bas. Ah oui, parce que je suis vachement remonté en vêtements aussi. Je dois produire trop de vêtements. La laine, j'en produis clairement pas assez. Pourtant, j'ai des petits moutons de partout. Ça enferme. Ouais, ok, je vois. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un autre stock de laine par là? Là, moi, je mettrais bien un petit. J'en suis où là? On va refaire ça. Clac. On va construire un stock de laine. Le stock de laine, c'est dans un entrepôt de ressources. On va construire un entrepôt de ressources par là.
remarque qu'on a celui-là qui nous sert à rien. On va mettre deux personnes de plus. Et là, on va mettre de la laine. Hop. Et on va construire... Une bergerie, voilà. C'est ça que je cherchais. Une bergerie. Voilà. Ok, wow, ça allait vite ça déjà. Ça allait vite ça déjà. Ça va être sympa comme ça. Ça va être très sympa. Ok. Mes soldats, ils en sont où? Ils mettent du temps quand même, hein. À ne plus être blessé. Je pense qu'on va envoyer tous les soldats, enfin tous ceux qui sont pas level 6. Est-ce que tous ceux qui sont pas level 6 ne sont pas blessés? Lui, oui. Lui, il est blessé. Ouah, on va attendre qu'il soit plus blessé quand même. Parce que sinon... Ça manque un peu de drapeau là-dessus, je trouve. Du tout. Là. Je mets les petits drapeaux. Oula, oula. Oula, oula, doucement. Tout doux bijoux. Hop. Oula, le point de... Ouais, bah ça ira très bien comme ça. Ok. Très bien, un émissaire, je m'en fous. Ça me sert à rien du tout. Ok. Oh, on est bien, on est bien. Ça n'a pas terminé encore la bergerie. Non. Bientôt, bientôt, bientôt. On a dit qu'il fallait qu'on construise un jardin. Mais j'avais pas débloqué ça, les bonus commerciaux. Ah, ça se trouve, c'est temporaire. Ça sert à rien de toute façon. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Peut-être que je vais faire un jardin dans cette auberge là. Un jardin luxuriant. La splendeur du bâtiment est augmentée de 300%. On voit où la splendeur? 26, donc ça triple, ça va être à 60. Plus de 60. Si je triple celui-là, je serais à bien trop, beaucoup trop. 42, je pourrais le faire avec celui-là. Ça m'arrangerait parce que j'ai pas trop de trucs militaires. Je pourrais le faire par là, là, ici, là. Là, ce serait pas mal, ouais. Éditer. Alors, clac, clac, clac. On va se mettre par là. Donc ici. Notre jardin luxuriant. Mais... Voilà. Alors... Une fontaine, un bassin d'eau. On va mettre le bassin d'eau ici. La petite fontaine à côté. Ou du moins pas bien loin. Des petits bancs. On va essayer de faire ça à peu près bien. Je n'ai pas dit qu'on allait faire ça bien, je dis qu'on allait faire ça à peu près bien. Voilà, surtout que c'est tout tordu, donc faire comme on peut. Clôture en escalier. Bon. Un petit arbre. On va mettre un petit arbre ici, un petit arbre ici. Un moyen, un arbre moyen, un grand arbre. Là. Là. Là,
Là, on va essayer de faire ça un peu symétrique au minimum. Un buisson de fleurs, ça va être joli ça. Clac. Ah. Oh, mais il y a trop de pentes ici. C'est pareil, ça va être dégueulasse. On va le laisser comme ça, c'est pas mal, non? Pas besoin que ce soit fermé, machin. Allez. Commencez la construction, ça suffit hein, pour ça. Commencez la construction. Oh, ça suffit, c'est tout. Ah si, il va falloir qu'ils me construisent ces trucs-là quand même. Hop. On l'agrémentera peut-être un peu plus tard. Là, le mur, on le continuera aussi. La bergerie. Allez, on assigne un berger. Il faut lui faire des moutons aussi, évidemment. Hop là. Ok, donc des moutons, on a dit qu'on avait ce qu'il faut. On va en refaire une bergerie encore, comme ça on sera tranquille. Bergerie. Hop là. Clac. Et après on fera un... ça. Un tisserand. On va même lancer la construction tout de suite. Cabane de tisserand. Je suis pas dans ma zone de... Si. On va faire par là la cabane de tisserand. Ouf. Hop là. Ok, ouais, parce que là on descend vachement le tissu. Paf 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 paf. Là on va peut-être s'arrêter. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Ça on va y enlever parce qu'on voit rien. Donc là normalement. Herboristerie, ok, donc là j'ai déjà mes deux herboristes. Voilà, ils sont tous assignés. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc là on devrait avoir des stocks maintenant qui vont augmenter un peu plus vite là. On verra, j'espère. J'espère, j'espère. Ok, tac tac tac, mission militaire, on s'en fout. Maintenant faut qu'on attende des promotions. Terminé quand même du coup. Non, il y a besoin de construire des... Ah, une sculpture. On n'y est pas encore non plus. Puisque les sculptures, là, il faut en construire un paquet. C'est marrant ce truc. On verra ce que ça donne. Je crois qu'avec ça, on peut faire de la musique. J'ai vu. On verra. On verra. Bon, c'est chiant ces intempéries, on voit rien quand il y a de la pluie. C'est tuflu. Ah, il y en a qui manquent d'église. Ah oui, c'est ça que j'avais pas fait depuis un petit moment d'ailleurs. Bonheur. Hop. Qui manque d'église? Me dis pas que c'est un moine parce que là j'y croirais pas trop. Ah, il était là, c'est lui. C'est Alia. Qui a besoin d'église. Tu es où toi? Tu es ici. Ta maison est où? Ta maison est ici. Ok. Ton lieu de travail c'est où? C'est là. Ok, donc ça veut dire que ici cette église est un peu juste. Avec 60 places c'est un peu juste. Sérieux? Eh bah pour s'amuser. Pas pour s'amuser. Vu qu'on a un nouveau style d'église, on va essayer d'en construire une comme ça. Cabane de tisserand. Hop, hop, hop. Il faut deux tisserands dedans. Voilà. Ok, la bergerie, il faut que ça se construise aussi. L'authentique église rustique. On va faire ça. Par ici là, ça me fera de l'attrait par là au moins. Boum. Il y a plein de trucs là-dedans. Il y a plein de trucs.
Bergerie. Hop, hop. On a assez de gens, s'il vous plaît. Voilà, alors. Un module principal. Ouais. Ouais, celui-là il est un peu plus marrant. Celui-là est un peu plus marrant. Faudrait qu'on se mette sur du plat quand même, ce serait bien. Genre par là, là. Là c'est pas plat du tout, quoi. Quand c'est pas plat, ça pose problème en général. Faire comme ça. Clac. Ok. Petit clocher, petit clocher, petit clocher. Extension. Ok, donc soit il est carré, soit il est pas carré. Carré, j'aime mieux. Hop. Un petit clocher. Non, c'est pas joli ce module, cette extension. Je peux pas le coller au bout. Si, je devrais pouvoir le coller au bout, non? Ouais, mais c'est dégueu. Mais d'accord. J'ai envie de le coller là, moi. Voilà, comme ça, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Extension. Ouais, c'est un peu bizarre comme extension, mais bon. Pourquoi pas. On a des portes. Alors la porte, on va la mettre où? Porte rustique. Ouais, et celle-là elle ressemble à quoi? Ouais. Ouais, c'est des portes quoi. On va la mettre là. Ça peut être marrant la porte. On peut avoir des escaliers comme ça. C'est rigolo. J'aime bien les petits escaliers. J'aime bien les petits escaliers. Bon, on va les faire rentrer par le clocher quoi. Allez. C'est marrant. Et les portes comme ça aussi. Porte toute simple. Ouais non, j'aime pas. J'aime pas. Hop. Petite extension là. Une petite tour. Toc toc toc. C'est marrant comme église. C'est marrant. Ok, là je serai à combien de place? Je ne sais pas. Ah par contre ça prend des planches. Sombre, éclairage, sombre. Ah, sombre, c'est peut-être plus rigolo. Ça va être plus joli, peut-être. Que blanc, jaune, comme ça, là. Allez, vas-y, construction. C'est parti. Un émissaire, mais on s'en fout. Ah si, les émissaires, en fait, ça sert pour le... Allô? Pourquoi je peux le cliquer dessus? Je peux pas le cliquer dessus. Ah, ça y est. Des baies, mais je m'en fous. En fait, ça sert à débloquer ces bonus commerciaux. Ces trucs là. Paf paf paf. J'ai pas coupé là. Si, non, j'ai pas coupé. Coupon. Coupon. Bergerie. On a mis. Non, on a pas mis dedans. On a mis un monsieur, mais on a pas mis de moutons. Il faut mettre des moutons. Voilà. Promotion. Très bien. Les cerfs. Oh là, bon. J'ai vraiment plein de nouveaux arrivants. J'en ai beaucoup trop même. Chevalier, allez. Un chevalier. Il m'en manque un. Il ne me manque plus qu'un chevalier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer. Voilà, ils sont tous formés. Il n'y a que le soldat là et le soldat là. Ok, très bien. Donc là on va faire. On va faire. Ouf. On va les envoyer prendre une mission très difficile. Hein. Bon, on est. Voilà. Hein. On va envoyer les chevaliers avec eux. Comme ça. Hop. Les chevaliers, déjà, ils seront puissants. Et on va envoyer tous ceux qui sont pas niveau 6. Hop. Tous ceux qui ne sont pas niveau 6, ils vont partir là. Il faut que tout le monde passe niveau 6. C'est obligatoire. Il faut que tout le monde
passe soldat et que tous les soldats soient niveau 6. Et oh, alors, il faut pas que j'envoie Clodovèche, Maros et Trinia. Donc c'est parti. Clodovèche, Maros et Trinia. Donc, okay. Ah oui, il reste un chevalier. Allez hop, avec ça déjà à mon avis. Allez, on en renvoie deux de plus, voilà. Là, ça devrait être super facile. J'envoie toute mon armée là. J'envoie mon armée. Et ils ont tous des lances normalement. Ok. Et après, j'aurai mon chevalier normalement. J'espère. Enfin, mon dernier chevalier, je pourrais. À la prochaine promotion, espérons. Bon, là, l'église, ça devrait aller vite. Ok, le bois en remonte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre du monde dans la scierie qui est là, que j'avais vidé, je crois. Ouais. 1, 2, 3, hop, clac. Eux, ils vont reproduire des planches un petit peu. Ah, là, les sangliers, on a du mal, hein, aussi. Cabane de chasseur, une hutte de chasseur. Bah ici, hein, hop, voilà. La zone de chasse, elle est par là, je crois, normalement. Ouais, voilà. Comme ça, on est bien. Putain, par contre, là, eux, je sais pas ce qu'il fout, lui, là, mais il replante pas bien les arbres. Hein. Il y a un autre endroit où j'en ai mis aussi, ça va mieux. Ici, là. Là, le bois, maintenant, je suis à l'aise. Très à l'aise. Alors qu'avant, c'était un peu la dèche. Là, ils prennent des planches, ouais, donc peut-être qu'il faut que je remonte mes planches. Oh, le lait, on est vachement remonté, c'est bien. Là, les baies, on n'est pas descendu tant que ça pendant les intempéries. Je suis content, du coup. Les plans inconnus, je sais pas ce que c'est. Ça m'a permis de débloquer ces églises, là. Les plans inconnus. Ta-da-da-ta-ta-ta. Bon, bah il n'y a plus qu'à attendre là, non? Là on en est où aussi? Ça doit remonter maintenant là. Ouais, ouais. Ouais. Bouf, bouf. Le miel. Vos abeilles elles produisent pas bien. Hein, les gars. Le petit moine là. Produisent pas bien vos abeilles, hein. Allez, on va mettre deux moines en plus. Eh ben. C'est super classe ces petites. Cette carte là avec les petites montagnes là. J'aime beaucoup. Ça fait très très classe. Clac. Voilà. Petite vue comme ça là. Avec la vue sur le château en fond. C'est très joli le marché. Ah, enfin. Clac comme ça. Une petite vue comme ça, c'est trop stylé. Petite maison là. Le jeu est très très classe. Là, là dans mon. Si je me mets dans mon. Là, hop. Gardez mes troupes. Genre. Ah, la mise au point. On peut pas faire comme on veut. On auberge. Ah, j'aime beaucoup le style de ce jeu quand même. Je pense qu'on y reviendra. Vos soldats ont été victorieux, oui. La hutte de chasseur, oui, j'ai mis un chasseur. On pourrait même en remettre encore une. Hein. Franchement. On pourrait même en remettre encore une. Hein. Au rythme où on est. Pouf.
Voilà. Parce que là, je pense qu'on n'a pas beaucoup de repas. Ils sont où les repas? Là, ouais, on n'en a qu'un. Les repas, c'est compliqué, hein. Bah, ce qui nous manque, c'est les sangliers, quand même. On peut pas leur donner des lances. Les lances de soldats qu'on en a 10 fois de trop. Bon, et là-bas, c'en est où? Ça avance bien. Ça avance bien. Ouais. Est jolie cette auberge aussi, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, là, l'église là. Ah, est stylée ma petite église. Là, le clocher est en train de se construire. Là, il y a des bûcherons qui savent plus quoi faire. On va peut-être leur donner du bois à couper à peu près de là où ils sont, parce que sinon ils s'ennuient. Hop. Je sais même pas où c'est qu'ils vont chercher le bois du coup. Bon. C'est un peu long cette attente maintenant là. Parce que là je suis bien dans tout. Là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien. Là ça remonte. Ah. Ah, la laine c'est limite hein. La laine c'est limite. On va surveiller la laine et les tissus. Ah, mon authentique église rustique est terminée. Très bien. Eh ben, très bien. Ok. Ouais, je pense que là, on a à peu près tout débloqué, ce qui était débloquable. Quasiment, hein, puisqu'il me manque. Il me manque deux ou trois chefs-d'œuvre, je crois. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Il me semble dans la liste que j'ai vue. Mais les autres, ils sont pas ouf. Ils sont pas tous super jolis. Moi, il y a juste celui avec les chevaliers qui m'intéressait de débloquer. Parce qu'il est vraiment très très classe, vous verrez. Je vous laisserai la surprise. Je m'en fous de ça. Je vous laisserai la surprise. Mais du coup, en attendant, là, j'ai pas grand chose à faire. Donc, on va peut-être mettre fin à cette vidéo là, même si elle est légèrement courte. Elle fait 28 minutes pour le moment. Juste histoire d'attendre. Oula, il y en a beaucoup qui se sont blessés. J'espère que j'en ai pas qui sont morts. Non, pour le moment, ça a l'air d'aller. Promotion. Alors, tac, 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 déjà, voilà, ça c'est très bien. Soldat, bah vas-y, hein. De toute façon, tous mes apprentis, faut qu'ils deviennent soldats. Papa, chevalier. Et voilà, le chef-d'œuvre de la Grande Arche. Très bien. Donc voilà, j'ai réussi à débloquer ce que je voulais débloquer. Et ben, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va faire un épisode un petit peu plus long. Un petit peu plus long ou pas? Ah, la question c'est, est-ce que je vais arriver à construire ce truc-là avant, avant la fin de la vidéo? Ouais, on va faire une petite vidéo un peu plus longue juste pour construire ce truc-là. Histoire de finaliser mon château là, parce que j'ai envie de faire un joli petit château ici, vous allez voir, ça va être classe. Donc on va le faire tout de suite. Et nous, chef-d'œuvre de la Grande Arche, qu'est-ce qu'il faut? Aucun effet optionnel pas encore implémenté. Ok. Construire en tant que bâtiment indépendant. Ok, donc ça on va le mettre ici. Je pense qu'on va la mettre de ce côté, ouais. Je voulais la mettre de l'autre côté au départ. Mais c'est pas assez plat, je pense. On va la mettre là, ça va être mieux. Ça va être mieux par là. Oh là là, c'est trop classe. Oh là là, toutes ces décos qu'il y a. Oh, trop bien.
On va s'éclater. Alors, la herse, la tour, tour de guet. En fait, on pourrait. Oh putain, on pourrait faire carrément un méga château rien qu'avec ça. C'est ce que je voulais débloquer depuis un moment. Ok, donc là, première chose. On va faire la herse par là. Clac, comme ça. Boum. Ils ont ramené un nouveau plan inconnu, mais c'est pareil, je ne l'ai pas. Enfin, je peux rien en faire. Donc, là, on a des tours. Ça, on peut l'agrandir. Ou pas. Est-ce qu'il passe quand même dessous là? Hop là, la herse. Donc, il passe dessous. Ouais, c'est très bien. On a des tours rondes. Oh, pff, elles sont fantastiques les tours rondes. Par contre, ça va pas du tout. Comme ça, c'est mieux. Oh là là, ça va être tellement classe. Tour de guet. Oh là là, ça va être tellement classe. Contrefort. Ah, trop bien. Ils ont tout prévu. Donc ça, avec ça, on va vraiment pouvoir... Porte en bois. Comment ça, porte en bois? Ah, ça, c'est les vrais herses qui vont là. Voilà. Voilà. Une caserne. Comment ça, ça se met où, ça? Ah oui, non, d'accord, ça c'est vraiment un truc qui se met à l'intérieur. Ok, donc on va mettre une autre tour ici. Je peux la mettre là, la tour. Boum. Ah merde, j'avais pas vu que je suis dans ma fontaine. Clac. Voilà. Donc là, on met une autre tour, on met une autre tour encore. Ça va me coûter énormément, ça, je parie. Oh, d'accord. 790 pièces pierre polie, j'en suis à combien moi? 900, ah ça va. Ouais, mais j'ai même pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Je suis au tiers de ce que je voulais faire. Moi qui voulais faire un méga château. Ok. Donc celle-là, on la met là. Et il manque les murs quand même. Hein. Et les murs, ils sont là. C'est un peu trop gros peut-être par rapport aux murs. Voilà. Ah ouais, je peux mettre ma tour de guet là. Dessus. Dessus ma grande tour. Non, comme ça. Ah! C'est pas ça que je voulais faire. Tour de guet là. On va la faire monter un petit peu. Voilà. On va remettre une tour ronde par ici. Je remets une autre herse là, parce que vu qu'il y a un autre chemin là. Je ne sais pas. Sinon, ouais. Ils vont être obligés de tous passer par là-bas. J'en remettrai une par ici, je pense. Comme ça. Doudoudoudou. En mettre, j'en referai une juste là, une herse, juste la herse. Oh là là, il y a des trucs comme ça trop stylé. Je peux pas y mettre sur le côté là. Ah, je peux y mettre là, là, sur les côtés. Attendez, c'est où là? Non, c'est là. Ça se met sur les petits ou les gros? C'est sur les gros, ouais. Donc c'est là par exemple. Ah ouais, comme ça c'est classe. Ça c'est classe. Je dois pouvoir y tourner un peu. Ouais. Comme ça. Voilà. Je peux mettre des fenêtres. Comme ça. Ouais. Ou des trucs comme ça. Ça à l'intérieur plutôt. À l'extérieur on met des trucs comme ça. Paf. Si je monte ça, ça monte quoi? Ouais, ça monte ça, c'est très bien, c'est ce que je voulais. C'est pas terrible ça. Des petits drapeaux. On peut y mettre tous ces contreforts là. Bah, ici ce serait bien, mais. Ça va pas le faire du coup.
Il y a ma fontaine qui gêne. C'est pas grave. Ça n'est pas grave. Ah, stylé. Stylé. Ok, donc ça c'est une caserne. Ça doit être attaché. Ouais, mais je l'attache où ma caserne? C'est marrant. Hein. À la tour de guet là. Ah, attendez, si je fais un mur. Porte géante. C'est quoi ça, porte géante? Ah, c'est des murs de porte géante, ouais, donc c'est ça. C'est d'autres murs. Ah, stylé. Ah ouais. C'est d'autres murs, effectivement. Ah, c'est des murs de château, ouais. Ouais, donc ceux-là, je vais les enlever. Je peux pas les enlever, ceux-là. Attends. Je peux plus les enlever? Non. Comment ça? Je vais pouvoir les enlever, non? Je peux pas supprimer un mur que j'ai construit. Sérieusement? C'est nul. C'est nul. C'est nul ça, si on peut pas détruire. On va construire par-dessus. Oh putain. C'est quoi ce bug? C'est nul. Ah, c'est chiant. J'aurais fait un super château moi. Je suis déçu. Alors attendez, ça on va plutôt le construire comme ça du coup. Je vais avoir une autre herse par là. Ou pas. Est-ce que je fais ça comme ça? On va faire ça comme ça. Hein. Une double herse là. Allez, arrête de ramer le jeu. Trop bas là, c'est un peu juste mais ça passe non. Et on se cognait un peu la tête dans les herses là non. Déjà classé un peu juste. Là je pourrais avoir un truc rond comme ça. Voilà. Clac. Ça c'est pas mal. Bon. Par contre, maintenant. Ok. Ça, je peux le mettre où alors? Il faut que je fasse une petite tour de guet à l'intérieur là. C'est ça. Faut que je fasse une tour de guet comme ça. Et que je mette un. Voilà, ici. Une caserne. Oula, qu'est-ce qui se passait? Alors, est-ce que c'est pas trop dégueu? Si, c'est trop dégueu. Ah ouais, merde. Ah, c'est nul. C'est trop pentu mon terrain là. Mon terrain est trop pentu. Bon bah tant pis, il y aura pas de. Il n'y aura pas de. Mais pourquoi ça y attache comme ça? C'est nul. Ça y attache du mauvais côté ce machin. Ça va être attaché à quoi? Je ne comprends pas. Il n'y aura pas de caserne. On s'en fout.
Bon, ça va me coûter très cher. Mais c'est pas grave. On va construire ça. On va mettre des drapeaux un peu, quand même. N'est-ce pas? Drapeau comme ça, là. Ils ressemblent à quoi, ces petits drapeaux? Ils sont pas très jolis, ceux-là. Ceux-là sont mieux. Boum, boum. Boum, boum. Voilà. On peut mettre des comme ça, là. Clac, clac. Voilà, c'est pas mal, tout ça. Et à l'intérieur, là, on avait dit qu'on mettrait des petites... petits trucs comme ça, là. Ouf. Voilà. Ok. Donc déjà ça, on va faire construction. Les drapeaux, ils sont déjà là. Et on va essayer de comprendre comment, pourquoi on peut pas enlever ça. Je peux faire... Alors attendez. Clic droit, annuler. Contrôle plus clic gauche. Non. Contrôle plus clic gauche. Ah voilà. Ok. Très bien. Donc là maintenant on va prendre porte géante. On va se remettre là. On va faire clac comme ça. Ok. Non. Merde. Je sais plus maintenant. Ça doit être par là, de toute façon. Clac. 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 Là, on va en refaire une porte géante. De toute façon. On est d'accord. On n'a pas le choix. Là. On va reconstruire. Un chez deux. Je peux pas. Merde. Et comment je fais une porte là alors? Comment je fais une porte là? C'est nul. Je suis obligé d'avoir qu'une seule porte. Oh non. On va être obligé de faire une porte en bois. Comme ça, là, dégueu. Bon, bah allez, vas-y pour une porte en bois comme ça. Bon, on va tricher, vous allez voir. On va faire une porte en bois dégueu. Faire une porte en bois comme ça. Pouf. Clac, commencer la construction. Hop. Et là, on va reprendre notre mur. Porte géante. Ok. Je comprends pas comment on fait. Sélectionner, placer un nouveau nœud. Voilà. Clic gauche. Activer la courbure de mur. Clic gauche sur un nœud de mur. Nyeh. Je ne comprends pas. La courbure de mur. Pour faire des murs courbes. Activer. Clic gauche sur une section de mur. Ouais. On peut peut-être pas le faire avec ceux-là. Peut-être pas le faire avec ceux-là. Par contre, comment je fais pour reprendre là? Ah voilà. Ok. Donc là, on va venir là. Ok. Et là, on va venir comme ça. Allez. Elle est où ma porte? Bon, on va tricher la porte, on va la déplacer. Pouf,
Clac, clac, clac. On va prendre la porte là. Oh, on va la détruire. Hop, porte en bois. On va essayer de faire un truc bien quand même. Pouf, la porte en bois elle va être comme ça. Boum, mais là je voudrais que mon mur ici il vienne comme ça. Paf. Voilà. Et là on va en faire partir à nouveau d'ici. Quick. Bon, on le reprendra, mais en gros c'est ça. Paf. 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 Ok. Clac. Clac. Yes. Ça fait un peu dégueu. Hein? Parce qu'on a un mur qui s'arrête, qui monte très haut avec une toute petite porte en bois. Mais c'est pas grave. On va avoir un méga château. Ok. Alors, là, ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin à la vidéo pour cette fois. Et je vous referai une petite vidéo, une petite dernière vidéo, quand ce sera tout terminé de visite de mon village, quand il sera terminé, quoi. Enfin, de ma petite ville, quand elle sera terminée. Je pense qu'on va se faire ça. Une vidéo de fin bien classe. Allez, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et à la prochaine pour la dernière vidéo sur Foundation. Allez, salut à tous. Ciao.